En février, nous prenions la route direction l'Espagne pour découvrir le désert des Bardenas. Le désert des Bardenas se trouve dans la région de Navarre, en Espagne, à seulement 2 heures de la France. Bon les amis, nous sommes un grand jour puisque nous sommes très exactement le 17 février. Et c'est l'anniversaire de Maëlle. Oui. Donc pour l'occasion, nous sommes venus visiter un désert. Et on vous emmène avec nous. Nous avons choisi de le visiter en février, période idéale car il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Nous avons eu un magnifique soleil toute la journée avec pas loin de 20 degrés. C'est un des déserts les plus grands d'Europe qui fait près de 40 000 hectares, avec une boucle de 34 km autour d'une zone militaire. On nous dit qu'il faut compter environ 2 heures pour le visiter, de notre côté nous en avons mis 4 car nous nous sommes arrêtés régulièrement pour se balader dans les sentiers et admirer les paysages. Les Bardenas Reales sont partagées en 3 secteurs distincts, la Negra, la Blanca et El Plano. La visite en voiture est à elle toute seule un vrai spectacle. Il y a également plusieurs sentiers indiqués pour faire des petites randos. Pensez à prévoir un pique-nique si vous souhaitez y passer quelques heures, ainsi que de l'eau car il n'y a aucun commerce dans le désert. Le désert est un site protégé et fragile. On ne monte donc pas sur les cheminées et on respecte son environnement. Nous avons pris plaisir à emprunter les chemins indiqués pour admirer les différents points de vue. Lors de notre pique-nique improvisé, nous avons également fêté les 14 ans de Maëlle avant de continuer notre route. Comme le parc d'Anaga que nous avons visité l'été dernier à Tenerife, le désert des Bardenas est reconnu comme réserve de biosphère par l'UNESCO. Il est habité par de nombreuses espèces d'animaux comme l'aigle ou encore le vautour. Ces paysages lunaires ont également été la scène de nombreuses publicités ou films comme James Bond ou encore Game of Thrones. Comme nous, n'hésitez pas à vous garer sur le côté et à emprunter les sentiers, chemins, allées pour découvrir les Bardenas et ses canyons. L'un des points de vue incontournables des Bardenas est la Castille de Tierra, aussi appelée Cheminée de Fées, qui est l'emblème du parc. Elle se situe dans la zone de la Blanca, généralement à la fin de la visite si on suit le sens indiqué lors de notre arrivée. Ce passage est incroyable, on peut facilement se garer et faire le tour tout en admirant les paysages et sa beauté. À vous là, j'ai bien fait. Ouais, ça va. Vous allez en prendre plein la vue et vous allez pouvoir y réaliser de jolies photos souvenirs. Baby Mojo. Nous avons ensuite continué notre route jusqu'au point de vue Cabezo de las Cortinillas pour admirer le parc à 360 degrés. Oh non! Where? Je les vois pas. Là? Bah, je vois rien. Là? Oh, waouh! Il faut absolument faire ce point de vue, mais la vue se mérite puisqu'il faudra monter un escalier à moitié détruit de plus de 200 marches. Mais le petit périple en vaut vraiment le coup, la vue en haut des marches est à couper le souffle. Ah, elles sont pétées à un endroit! Oui. Les marches ne sont pas toutes en super bon état, mais nous pouvons monter. Voilà, et ils disent que l'accès est sous notre responsabilité. Donc les personnes qui sont un peu maladroites, comme le petit boudin que j'ai devant moi,
ne sont pas censés monter normalement. Allez, il y a une surprise en haut. Ah ouais? Oui. Il y a un cheval. Il y a un cheval. Ah! Vraiment, il y a vraiment une surprise? Non. Je pense qu'un quart de l'escalier qui mène au point de vue est complètement détruit, mais ça reste praticable. Mais pourquoi tu passes par là? T'aurais pu passer sur le côté, là, tu venais là. Tu te prends pour Spider-Man ou pas? Une fois en haut, avec un peu de chance, vous serez seul au monde, avec une vue imprenable sur les Bardenas. Tu galères un peu mal. Et voilà, notre visite dans un des déserts les plus grands d'Europe à seulement quelques heures de la France est terminée. Si un jour vous passez dans la région de Navarre, n'hésitez pas à vous arrêter dans le désert des Bardenas pour y découvrir sa beauté.